Alors bonjour tout le monde, lundi, prédiction de la semaine. Je voulais d'abord m'adresser à quelqu'un qui met des commentaires un peu space, je sais plus son nom, comment il s'appelle déjà, mon cœur. Angelo Dolti, alors les cassos disent bien des choses, d'accord. Que tu t'en prennes à moi, je m'en bats les couilles. D'accord? J'en ai rien à foutre de tes conneries. Par contre, que tu t'attaques à ma belle-fille, Laurine, en lui disant, en lui marquant un message privé, encore une cassos de plus. J'apprécie pas trop que tu t'en prennes à mon beau-fils, j'apprécie pas du tout, tu vois. Donc tes commentaires, tu te les gardes bien profonds. Ça c'est clair, parce que entre si un cassos bien particulier, ça doit être toi, d'accord? Hein, comme on dit, on voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin, jamais la poutre qui est dans le sien. D'accord? Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas chercher la définition sur internet si tu es capable de le faire. Hein, et ça c'est pas gagné. Hein. En deux mots, ça veut dire qu'on voit les petits défauts des autres, mais on voit pas ses gros défauts à soi. Que ça soit bien clair entre nous. Voilà. Donc la prochaine fois, hein, si t'as des couilles, bah bien sûr, à live, on va en parler. D'accord? Mais t'as pas les couilles pour. La preuve, Valentin, hier, il a fait un live sur le YouTube de sa mère, et puis il t'a demandé de venir, mais t'es pas venu. Hein, donc voilà, avant d'ouvrir ta grande gueule de con, eh ben... Regarde-toi d'abord avant de regarder les autres. Nous au moins on fait quelque chose pour les autres. Toi tu fais rien pour les autres. D'accord? À part critiquer, c'est tout ce que tu es capable de faire et puis insulter tout le monde. C'est tout ce que tu es capable de faire. Bon, ça c'est fait. Je mélange. Donc normalement, notre cher et tendre président nous téléphone, enfin, passe à la télé demain soir. Quand je parlais il n'y a pas longtemps de chômage, ben quelque part je me suis pas trompé puisque Renault va fermer, normalement doit fermer 4 usines en France et chose étonnante, l'État ne dit absolument rien. Voilà. Donc il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs parce que là c'est du lourd, hein. 4 usines, ça fait énormément de monde. Alors. Lily, Violette, Marie-Thérèse, Myriam, le 17. 1, 2, 3, 4, 17. L'ermite, endroit. Renzo, Christiane, Véronique, Stéphane, le 7. 1, 7. Le pendu, envers. Billy Bob, Margot, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 13. Le monde en droit. Laurent, Sandra, le 3. 1, le butler en vert. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la perte d'emploi. Denise, Émilie, Sonia, Catherine, Martine, Dominique, Marie-Ange, le 5. 1, 5. La lune, en vert. Karine, le 16. 1, 13. Bébé, arrête, tu as tombé. Le fou, en droit. Marino, Kevin, Isa, le 11. 1, 2, 3, 4, 11. Le pape, en vert. Daisy, Sylvie, Aurèle, Viviane, Pierre-André, le 15. 1, 13, 14, 15. L'empereur, en droit. Et Henri le 18. 1, 2, 3, 4,
Et nous avons la tempérance en vert. Alors, par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis, qu'est-ce que j'en conclus? Malheureusement, on est seul par rapport à la situation. On est en train de s'effondrer complètement au niveau de la France. On va encore apprendre qu'il va y avoir énormément de chômage qui va arriver. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, et c'est pas fini malheureusement, puisque là on va avoir une deuxième vague qui commence à se mettre en place. En même temps, c'est tout à fait normal qu'on a vu les gens, une fois qu'on a annoncé le déconfinement, tout le monde est sorti dehors, tout le monde a. Il y en a qui ont été jouer au foot, il y en a qui là, ce week-end, il y a eu des rassemblements pour l'Aïd, etc. Enfin bref, c'est du tout et n'importe quoi. Les gens en se disant oui, voilà, le Covid est fini, je vais pouvoir sortir, il n'y a plus la pandémie, on est content, voilà, le virus est passé. Le problème, c'est que là, on va bientôt retourner en confinement à cause de ça, justement, à cause du fait que les gens n'ont pas essayé de respecter ce qu'il fallait, quoi. Et donc voilà. Donc moi, je m'attends à ce que là, on nous remette en confinement total. Malheureusement, c'est là encore, malheureusement, là, ça va être l'effondrement total de la France. Hein, faut pas le financièrement, ça va être l'effondrement total. Il y a énormément d'entreprises qui vont annoncer, qui vont faire un dépôt de bilan. Il y a des restaurants qui vont déposer le bilan. Il y a des petites entreprises qui vont déposer le bilan, etc., etc. Ça fait énormément de chômage. Et ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a toujours la répression de la police envers les manifestations, etc., etc. La police, il commence déjà à s'en prendre un peu plein la gueule. Parce que j'ai vu, je ne sais plus où il y a une voiture qui a foncé délibérément sur des policiers. Il y a un blessé grave. Et ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est pas la première fois qu'on le voit. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'actions comme ça où, malheureusement, la police et puis tout ça, les CRS, ils vont manger, quoi. À force de jouer la répression comme ils le font et puis jouer les cow-boys comme ils le font, au bout d'un certain temps, les Indiens qui vont commencer vraiment à se mettre en colère et vont taper dans le tas. Comme il y a un proverbe qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Messieurs les policiers, vous êtes au courant, vous allez récolter la tempête du peuple, malheureusement. Tant pis pour vous. Voilà. Donc voilà pour la France. Hein, ça continue. On continue à s'enfoncer gentiment. Hein, moi, je vois pareil le départ de quelqu'un. Et normalement, il y a le premier sinistre. Je n'appelle pas autrement. Hein, c'est un sinistre, ce mec. Normalement, doit partir. Darmanin, à un moment ou un autre, s'il veut être maire de je sais plus quelle ville, je crois que c'est Toulouse ou je sais plus où, il devra démissionner aussi de son poste, même s'il ne le veut pas, puisqu'il y a une loi qui interdit le cumul des mandats, donc voilà. Ah, par contre, pour ceux qui ont mon Facebook personnel, il y a un petit article qui va vous intéresser. Il faut savoir que maintenant, les sociétés de distribution d'eau n'ont plus le droit de couper ni diminuer la pression, etc. C'est interdit par la loi. Ils ont été condamnés et donc même s'il y a du retard de paiement au niveau facture, ils n'ont plus le droit de couper ni quoi que ce soit. Vous verrez l'article, il est sur ma page perso pour ceux qui ont ma page perso. Donc j'espère aussi que l'intervention de Laurine sur mon YouTube vous a plu. Faut savoir qu'elle a son propre YouTube. Je demanderai à Virginie de mettre les liens dès que la vidéo sera mise et en ligne. Elle pourra vous mettre les liens. Et donc sur ce, on va faire un deuxième tirage sur l'Europe.
On va voir ce que ça donne sur l'Europe, mais bon, j'en pense pas mieux, hein. J'ai vu que la Suède voulait quitter l'Union européenne. Il fallait s'y attendre, hein. Comme je disais il y a quelque temps, qu'il allait y avoir des pays qui allaient quitter l'Union européenne. Et ben, la preuve, la Suède se dit il est hors de question qu'on paye la dette des autres. Malheureusement, nous, on paye la dette des autres, et en l'occurrence, la Grèce, là, l'Italie, c'est pareil, hein, faut pas se leurrer. J'ai vu qu'en Espagne, il y avait des manifestations contre le gouvernement. Donc, bien entendu, obligatoirement, histoire de foutre la merde, les journalistes, ouais, c'est l'extrême droite, patati patala. Enfin, bref, c'est un peu du n'importe quoi, quoi. Donc, sur l'Union européenne, Marie-Jo Nicole le 2. Hein, la justice en droit. Agnès Jean-Marie le 8. 1, 2, 3, 4, La papesse en droit. Rebelle Édouard Fabrice le 9. 1, 9. Le jugement en droit. Daniel le 21. La roue en droit. Il y a du changement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Nadia Marilène, le 22. 14, 15, 16, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Le char en droit. C'est l'impression que j'avais, et ça je l'ai toujours, et je l'ai depuis un certain temps. L'Union européenne telle qu'il est là va exploser total. Claudie Violette le 1. L'ermite. Allez, chaque pays va être indépendant. Evelyne le 19. Le pape en vert. Malika, Gaël, Assalia, Patrick, Yod, le 12. L'impératrice en droit. Estelle, Coco, Sylvie, le 4. Et nous avons les amants en droit. Je remercie Stéphane qui m'a donné le 14, Simone et Véronique qui m'ont donné le 6, Marie-Lou, pardon, qui m'a donné le 10, et Christine qui vient de mettre un chiffre. Je suis désolé, Christine. Et bon, j'ai déjà fait ma vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'Union européenne? Comme je le disais depuis un certain temps, moi, je vois l'Union européenne telle qu'il est maintenant, une Union européenne politique, exploser littéralement et ne plus être ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que Bruxelles décide de tout pour tous les pays. Là, moi, j'y vois des pays qui vont se dégager de l'Union européenne, tels que l'Italie, l'Espagne, la Suède. Ça, c'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, ils vont dire, nous, voilà, vous êtes trop dans la merde avec. À cause du Covid-19, vous êtes en train de couler total. On préfère s'abstenir et on préfère se casser. Donc voilà, il y a beaucoup de pays qui vont réussir à quitter l'Union européenne, ce qui va donner une Union européenne qui va s'écrouler total. Et ce serait peut-être pas plus mal, puisque moi je vois par exemple la France, rien que la France. La France verse 26 milliards d'euros à Bruxelles, et sur les 26 milliards, et on n'en récupère que 13. Donc on est déficitaire tous les ans de 13 milliards. C'est énorme. Surtout que sachant que pratiquement la moitié de cet argent va dans les caisses de la Deutsche Bank pour renflouer la caisse, pour éviter de couler. Il y a aussi cet effondrement monétaire qui va se passer aussi,
le krach boursier, ça, on va y avoir le droit. Vu que maintenant, quand vous voyez par exemple que l'essence, on prend le pétrole, qui est en train de chuter comme c'est pas possible. Je vois par exemple le samplon 95, je le payais à 50 euros, à 52, là maintenant on le paye quoi? 1,20 €, on gagne 30 euros, 30 centimes par litre, c'est énorme. Vous imaginez pas, oui mon cœur. Il est là le scotch, mon cœur. Le monde. Voilà. Désolé. Bah tu viens le dire, bébé, si tu veux dire bonjour à tout le monde. Il y a bébé qui veut vous dire bonjour. Il est en train de faire ses exercices. Non, mais non, t'as pas besoin. Vas-y. Coucou tout le monde. Allez. Sauve-toi. Voilà. Donc il y a cet effondrement total de Bruxelles. Hein. Faut s'y attendre. Est-ce un bien, est-ce un mal? Dieu seul le sait, et il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais l'avenir s'annonce, on va dire, pour 1 an, 2 ans, pour les 1 an à 2 ans à venir, on va avoir énormément, énormément de difficultés. Moi, je ressens des guerres civiles qui vont se déclarer un peu partout dans l'Europe, en l'occurrence en France. En Allemagne, ça commence à chier grave. Comme je disais tout à l'heure, en France, ça va finir par péter total, parce que là, il va y avoir un reconfinement. On n'a pas le choix. Malheureusement, il n'y a pas qu'en France. Il y a aussi dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, etc., où il va y avoir un reconfinement total. Ce qui va engendrer une perte financière énorme pour l'Union européenne, Bruxelles. Une perte financière pour chaque pays, et ça va être une véritable catastrophe. C'est pour ça que moi, le krach boursier, je le vois. Le problème, c'est qu'attention à vos comptes bancaires, attention à vos économies, livret A, etc., etc., parce qu'ils risquent d'être ponctionnés pour essayer de renflouer les caisses des banques. Malheureusement, ça ne suffira pas, puisqu'il y a énormément de sociétés qui vont déposer le bilan. En l'occurrence, là, avec Renault, comme je disais, qui va fermer 4 usines en France, on prend simplement l'usine de Flins. Je vais vous dire ça tout de suite. Le nombre de chômeurs que ça va faire. Voilà. Mince, il ne marque pas la quantité de chômeurs. De usine Renault Flins, groupe Renault. Alors, c'était quand même. Il y a deux. Voilà, effectif 2642 employés au 31 décembre 2018. Vous voyez? C'est énorme, quoi. Donc vous imaginez 4 usines à, voilà, on va dire à 2 500 par usine, ça fait 10 000 personnes qui vont se retrouver au chômage, sans compter les sous-traitants qui sont autour. Faut pas l'oublier, ça y est, vous avez des sous-traitants, vous avez des sociétés qui travaillent pour Renault, qui fabriquent des pièces pour Renault. Et donc ça, malheureusement, c'est des sociétés qui vont devoir licencier. S'il n'y a plus leur production pour Renault, ils vont devoir licencier. Et ça va engendrer du chômage. À grosso modo, pour on va dire 10 000 personnes qui vont être licenciées chez Renault eux-mêmes, il faut compter à peu près 5 000 personnes de plus autour, en sous-traitant. Vous voyez, c'est énorme. Donc faut s'attendre, voilà, à peu près à entre 10 et 15, entre 10 et 20 000 personnes qui vont se retrouver au chômage. Et l'État ne fait absolument rien contre ça, puisqu'il préfère aller construire à l'étranger pour que le coût soit moins cher. C'est-à-dire que, par exemple, une voiture qui est vendue 15 000 euros, coût de fabrication 10 000 euros, on va dire, eh ben, si elle est fabriquée au Maroc, le coût de fabrication va être à 5 000 euros et la voiture va être quand même vendue 15 000 euros. Donc la marge bénéficiaire sera plus importante pour l'entreprise. Et qui bénéficie de ça, c'est les actionnaires. Le gros problème dans les entreprises françaises, c'est pas le patron en lui-même,
C'est les actionnaires qui font pression sur la société pour dire, mais attendez, nous on va encore gagner plus d'argent en restant le cul dans notre fauteuil. Le problème, il est là. C'est les actionnaires. J'ai vu ça avec Philips où les actionnaires ont obligé Philips Dreux à fermer pour aller s'installer en Pologne, pour avoir des employés qui seraient payés que 300 € par mois au lieu de 1 400. Vous voyez la différence? Et les télés sont vendues le même prix. Donc voilà. Il n'y a pas de baisse de prix de la télé, c'est juste la marge bénéficiaire de l'entreprise qui va être plus importante et donc plus intéressante pour les actionnaires. Et voilà. Ah, ma Bagou qui fait voir son petit bout de son bout du nez. Donc je vous dis ce soir 20 h pour ceux qui ont Internet et puis qui ont un PC fixe ou portable avec Internet, avec Flash Player mis à jour pour pouvoir nous voir et nous entendre. Évitez de passer par Google Chrome parce que c'est un merdier pas possible. Prenez plutôt Firefox ou Opera, mais ne passez surtout pas par Chrome. Parce que Chrome, il y a un gros souci avec Chrome, c'est le merdier total. Pour pouvoir mettre nos webcams et nous entendre, vous allez passer un temps pas possible à pouvoir accepter que Chrome accepte le site. Donc, passez pas, surtout pas par Chrome. Voilà, passez par Firefox ou Opera, mais surtout pas par Chrome. C'est un vrai merdier pas possible. Sur ce, je vous dis à ce soir et puis bon courage à tous. Et à cet après-midi pour un live à partir de 14 h 30, 15 h.